Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue au rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision. C'est sur la 2, vous le savez, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un sujet, d'un objet ou d'un homme. Et ce soir, l'homme qui nous intéresse, c'est le président du MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie créée en 1995. Vous avez bien deviné, il s'agit d'Anicet Ekaner, devrais-je ajouter Georges Anicet Ekaner, qui est notre invité ce soir. Allons donc l'accueillir, monsieur le président, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et bonsoir à nos aux auditeurs de Canal, téléspectateurs de Canal de l'International et surtout à nos compatriotes musulmans qui fêtent l'Aïd Moubarak aujourd'hui. Peut-être devrais-je signaler que vous êtes à nouveau président du MANIDEM, c'est le deuxième séjour à ce poste. De la création en 2009 et puis de 2018 après le congrès à ce jour. Oui, bon, en réalité, bon, le problème que vous soulevez, on le soulève sans arrêt. C'est pour votre présentation que. Oui, non, il n'y a pas de problème. Il y a de nouveaux téléspectateurs non, je voulais tous les dire jours que qui doivent vous connaître. En réalité, c'est la problématique de l'alternance dans les partis politiques. Les gens n'y sont pas habitués. Ils réclament en même temps l'alternance à l'intérieur de l'État, mais n'acceptent pas une alternance. Dans les partis politiques, en disant que bon, pourquoi il parle de la direction du parti. Nous avons, j'ai décidé d'en partir après 9 ans. On a eu quelques expériences difficiles du fait justement que cette alternance est toujours mal vécue. Bon, je suis revenu là, bon, de façon transitoire, parce qu'il faut bien qu'on assure la transition, sinon, bon, je ne sais pas comment est-ce que. On peut fonctionner dans un pays avec 70% des gens qui ont moins de 30 ans et à la tête des partis politiques, qui n'ont que les sexagénaires, voire des octogénaires. Surtout voilà. Que vous êtes arrivé à la tête, enfin, vous êtes membre fondateur de ce parti alors que vous aviez à peu près justement 43 ans, 45 ans par là. En 95, oui, je signale que vous êtes né le 17 avril 1951, les téléspectateurs peuvent faire les calculs eux-mêmes. Vous êtes membre de l'Union nationale des étudiants camerounais, la fameuse UNEC. Et vous êtes rentré au Cameroun en 83, vous avez rejoint l'UPC que vous avez quitté plus tard, on le signalait en 95. Voilà. J'ai dit vous avez rejoint parce que l'UPC a été légalisé à nouveau en 90 après l'interdiction de la période coloniale. Vous avez été candidat à la présidentielle, au présidentiel devrais-je dire, 2004 et 2011. Voilà pour votre présentation. Je ne suis pas seul ce soir pour mener la partie interview. J'ai deux co-. Bonsoir, Rodrigue. Vous êtes au service politique du quotidien. Ce soir, il a une âme du PC Jean-François Chanon à qui nous faisons coucou, qui est actuellement à quelques petits bobos oui, avec sa santé. Aristide Monod, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue Djongé, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre programme ainsi qu'aux panélistes. C'est toujours avec un réel plaisir que je réponds à vos invitations. J'aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne fête à toute la communauté musulmane. Je pense à celle-là qui m'a accompagné et hébergé pendant plusieurs mois de recherche dans les zones du Mayo Sava, Mayo Chanaga,
le Diamaré et également dans le Gonichari. Donc je pense à toutes ces personnes peut-être qui passent les fêtes dans de mauvaises conditions, parce qu'il faut rappeler que Boko Haram reste actif, malgré qu'aujourd'hui on ait une nette impression que la crise anglophone a fini par absorber cette crise qui, ma foi, fait des morts au quotidien, parce que Boko Haram a pris une autre tournure, c'est celle du banditisme, parce qu'en fait, le noyau central n'arrive plus à tenir les factions qui avaient été recrutées, et ce sont ces factions qui opèrent, ma foi, dans des zones de Kolofata jusqu'à Amora, parce que récemment, il y a cet attentat qui a été déjoué par nos forces de défense. Je signale que vos travaux de thèse doctorat portent sur les questions de défense, sciences politiques. Sur l'action publique de lutte contre Boko Haram. Mais vous êtes journaliste, d'abord, directeur de publication de La Voix. De la Lekki. Merci d'être là. Vers le milieu de cette édition, c'est Faustin Ekole qui nous retrouvera ici. Lui aussi est enseignant. Il est chercheur également. Il est enseignant honoraire à l'université de Yaoundé 2, enseignant de sciences politiques, mais épisté. Molok, ce sera le duel de ce soir. L'arène, ce sont ses mensurations habituelles, ses arrêts aussi. Avec mes préférences, Delphine Fonkou se fera le plaisir de revisiter le jardin secret de notre invité autour du premier quart d'heure de cette émission. Et donc, vers la fin, Alain Gizankanga nous retrouvera pour la synthèse. Voilà le décor. Traversons la première borne. Anissé Kanet, nous ne pouvons pas rentrer dans le vif de la discussion de ce soir autour de la première dorsale, l'état de l'unité du Cameroun, sans évoquer votre situation sanitaire. Récemment, votre secrétaire national à la communication, M. Kouo, a indiqué que vous êtes guéri du coronavirus. Est-ce que pour quelqu'un de votre âge, 69 ans, consommé, vous avez eu particulièrement peur pendant ces moments difficiles-là? Je vous assure que pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai fait la forme bénigne de la maladie. Et je suis très intéressé par la médecine, dont je suivais pratiquement au jour le jour l'évolution des traitements de cette pandémie. Et surtout, je suis depuis plus de 40 ans, sinon plus, un adepte de la pharmacopée africaine, de la médecine traditionnelle. Bon, je peux dire que, bon, si ça ne tenait qu'à moi, il y a beaucoup de pharmacies qui auraient déjà fermé la boutique. Donc, je crois que c'est ça qui m'a permis que j'aborde cette maladie avec beaucoup de flegme, parce que j'ai tout le déroulé de la maladie. C'est le 17 mars quand je suis au port avec le gouverneur. Le gouverneur du littoral. Parce que comme nous sommes à Yaoundé, on peut penser voilà, que c'est le gouverneur du centre. Le jour où revenaient nos compatriotes de l'extérieur, bien avec, il y avait 360 et quelques qui étaient à l'aéroport, donc le virus devait flotter partout, mais ils étaient sans masque, etc. Donc certainement ce jour-là, et 14 jours exactement après ce jour, j'ai eu les premiers symptômes. Donc je n'ai pas été très surpris. Bon, quand j'en parle au médecin, il me dit, c'est peut-être du palu. Il me met sous paludien, mais je n'y crois pas beaucoup. Ça casse la fièvre. J'ai plus de fièvre jusqu'à la fin du traitement. Mais je vais quand même dans le centre de Yassa dire que bon, je pense que c'est ça. Bon, ils m'observent 24 heures, puis ils me disent que bon, c'est pas très grave, si je vais me soigner, que je vais me soigner à la maison. Je suis donc rentré à la maison, je suis soigné, au protocole de Raoul, mais aussi avec les tisanes, les bains de vapeur, etc. Et cinq jours après, voilà. Vous avez été testé négatif. Le premier test, non, c'était le fait premier, au scanner. Bon, je dois dire que le premier test, comment faire à l'hôpital de Yassa, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas les résultats. Mais bon, comme j'avais fait un scanner, j'ai su que c'était le Covid, la Covid-19. Mais j'ai refait un test il y a 15 jours, négatif. Là, j'ai eu des résultats. Non, nous, sur ce plateau, nous ne risquons rien. Bah,
Bon, vous savez, il y a encore des zones d'ombre sur cette maladie. Mais en réalité, il y a une immunité dont on n'a pas encore déterminé la durée. Mmh. Voilà. Bon, c'est moi qui dois peut-être avoir peur de que vous me contactez. Ça commence. Une question, monsieur le président. Est-ce que, au vu, hein, au regard de ce que vous avez observé durant cette période douloureuse, j'imagine, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que le système de défense qui a été mis sur pied pour contenir la maladie, je parle des politiques publiques mises en œuvre tous ces derniers temps par le gouvernement, cela est à même... Est-ce qu'on a même de dire aujourd'hui que le système tient? Ça, c'est la première interrogation. Et la deuxième, rapidement, je rentre là dans le débat nord-sud, africain et européen, occidentaux. Est-ce que vous estimez que le fait qu'on ne reconnaisse pas de manière officielle les posologies qui sont découvertes par les Africains, cela relève peut-être de votre longue lutte contre le néocolonialisme ou le colonialisme? Bon, en ce qui concerne le dispositif que le gouvernement a mis en place, tous les gouvernements du monde entier ont été désemparés par l'apparition de cette pandémie. Donc, on a ajusté à chaque fois. Et bon, quand on regarde la télévision, on se rend compte que dans le monde entier, il y a des récriminations sérieuses contre les mesures prises par les différents gouvernements. Donc vous inscrivez par exemple le fait que vous n'ayez pas toujours votre résultat dans ce grand moule du dépassement des gouvernements dans le monde? Ah non, non, non. Je dis qu'il y a des imperfections, souvent sérieuses, parce que, vous savez, mettre en place un tel dispositif, ce n'est pas uniquement un problème d'argent. C'est une habitude. D'abord, notre système de santé, c'est une palissade, n'est pas des plus performants, les mieux lotis. Il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas la protection d'assurance. Donc c'est très difficile dans ce contexte-là de mettre en place un dispositif. Premièrement, deuxièmement, on est en retard par rapport à l'arrivée de la pandémie. On aurait dû anticiper. Ça fait partie des récriminations. Troisièmement, le personnel lui-même, médecins, etc., ne connaissait pas bien la maladie. Quand je suis allé à Ayassa, j'ai remarqué, je le comprenais, que le personnel au début était plus occupé à se protéger qu'à entrer en contact avec les malades. Je le comprenais aisément, parce que bon, je vous assure qu'au début, lorsque quelqu'un qui avait des symptômes de la Covid arrivait dans un hôpital, même les médecins le regardaient de très très loin. C'est compréhensible. D'autant qu'ils ont payé un lourd tribut. Il y a plusieurs médecins qui ont pris le virus et qui sont décédés. Donc, il y avait une imperfection due à l'impréparation naturelle. Ça s'est un peu amélioré. Je vous ai dit que j'ai fait un test pour m'assurer si je suis positif ou pas, dont je n'ai pas encore le résultat aujourd'hui. Mais qui maintenant, pourrait arriver positif alors que vous êtes déjà guéri. Ce sont ces dysfonctionnements que souligne Aristide. Elles existent. Ça s'est largement amélioré. Mais je pense qu'il ne faut pas s'affoler. On va peut-être revenir dessus. Je suis persuadé que la catastrophe que les Occidentaux nous ont prévue, nous ont... De bonne foi. Ah non, 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 pas de bonne foi. Pas de bonne foi. Mais pour eux, noir, c'est Afrique. Des milliers de morts tombent chez eux, mais ils ont prévu l'hécatombe ici. Elle n'arrivera pas, pour différentes raisons. Non seulement parce que nous ne sommes pas des Européens, notre climat est différent. Et surtout, ça j'en suis persuadé, notre population est très jeune. Et les conditions dans lesquelles on est, on grandit et on vit dans ce pays, ces conditions font des Africains des gens avec un système immunitaire sérieux, prêts à contrer cette maladie. La preuve, les Bensikineurs n'ont pas de Covid, grande partie. Les Dockers. Parce qu'ils ne sont pas encore testés. C'est là aussi. C'est possible aussi. Vous savez, on peut être testé et mourir. Hein. Oui. On ne voit pas qu'il y a une hécatombe alors que le respect des règles barrières n'existe pas dans les marchés, etc. Les Africains, dans le contexte dans lequel ils vivent,
sont des êtres qui ont un système immunitaire plus solide. Moi, je l'ai. Vous dites, mon fils, il est un médecin. Bon. Et on est constamment, il travaille en France, en discussion sur la validité de la médecine africaine. Je lui ai dit, on n'a pas besoin d'attendre que ça soit validé par les Européens. Pendant des millénaires, nos ancêtres se sont soignés avec une posologie qui n'a pas tué ceux qui étaient malades. Peut-être que la médecine européenne est normée. La nôtre devait être normée, ça c'est du ressort du gouvernement, des gouvernements successifs qui n'ont pas pris la mesure, africaine en général, la mesure du développement de la pharmacopée africaine, la médecine traditionnelle. Mais peut-être que la Covid-22 va changer cet état d'esprit. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'ils sont obligés de l'accepter. Les Européens reviennent et disent que peut-être il n'y aura pas de catastrophe en Afrique. Et peut-être, bah, ils vont commencer à valider un certain nombre de choses que les Africains ont trouvées. Le Covid de Madagascar, la potion de Monseigneur Cléda et deux autres qui existent. Le Béninois, etc. Même au Cameroun, il y a deux autres en dehors de Cléda. J'allais vous poser une question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, le président, que la solution viendra aujourd'hui de la médecine traditionnelle africaine qu'on appelle pharmacopée, etc.? J'ai envie pour vous qui êtes traditionnaliste, le oui. dire n'est pas un mensonge. Oui. Est-ce que vous pensez que la solution viendra de là? Je voulais profiter pour rectifier une ou deux choses, tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en train d'approcher ce qui semble être le pic de l'épidémie au Cameroun aujourd'hui. Donc on ne peut pas déjà dire que d'emblée, comme vous le dites, que voilà, il n'y aura rien. Non, non, je crois qu'il faut tempérer ce langage-là. Je commence parce que les ratios de morbidité en Europe et en Afrique ne sont pas comparables. Oui, on en est, nous, à peu près 5 à 6 décès par million d'habitants. Oui, je suis d'accord. En Belgique, c'est 8 000. 8 000. Bon. Est-ce que cela n'était pas lié, par exemple, aux densités? Aux densités? Oui, qui sont impassées. C'est lié au nombre de la densité des populations, c'est vrai. Ou que chez eux, le test est rapide. Oui, mais alors, je vais vous dire, la promiscuité en Afrique aurait dû augmenter. D'abord, la propagation du virus. Bon, vous allez dire, à juste titre, que les tests ne sont pas nombreux, donc on ne peut pas le mesurer. Mais quand on voit du début mars à maintenant fin mai, que ben, même ceux qui sont testés, on est loin des chiffres européens. Oui, on est très, très loin. Malgré la promiscuité, malgré nos maigres moyens, malgré les conditions de vie des Africains, il n'y a pas de courbe exponentielle de la propagation du virus, ni de décès. Alors qu'il y a déjà une morbidité du fait des maladies traditionnelles, le palu tue 150 fois plus que le virus. 14 000 Camerounais par an. Moyenne. Oui, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Ouais, mais vous êtes dans un zone de mauvais augure. Non, je suis cruel de confondre le constat des choses. Le tatifoïde, ça tue. La mortalité infantile du fait des conditions des structures sanitaires tue. Le virus, là-dedans, et même les experts européens commencent à le dire, ben c'est du, excusez-moi l'expression, c'est du pipi-chat par rapport à la mortalité en Afrique. Donc, je crois que, bon, il faut respecter les mesures de distanciation sociale, les mesures barrières, mais il ne faut pas s'affoler. La tradition, alors, le président. Oui, alors, moi, vous dites la solution maintenant d'Afrique, mais il y a plein de choses qui viendront d'Afrique. Oui, la tradition, allons-en. Oui, non, je dis, dont la tradition de notre pharmacopée. D'ailleurs, l'écrasante majorité des molécules dans la pharmacie traditionnelle européenne viennent des plantes qui sont en Afrique. Oui. Souvent qu'ils ont volé ici pour aller les travailler dans leur laboratoire. Peut-être parce que vous n'avez pas pu les rentabiliser. Non, localement. Nous c'est qui?
Les Africains. Ce n'est pas les Africains. C'est les gouvernements successifs que ces Européens ont mis en place en Afrique qui ont été des complices de cette situation. Donc ne mettez pas les Africains dans le même panier. Non, c'est une relation géostratégique avec les Occidentaux qui nous met aujourd'hui en difficulté alors qu'on avait tous les éléments pour être en avant par rapport à la pratique de la médecine. Alors, je voudrais rappeler la situation épidémiologique ce soir, d'après des chiffres communiqués par le chef de la cellule de communication du ministère de la Santé, c'est 293 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui, ce dimanche 24 mai 2020, 6 décès et 43 personnes guéries. Ce sont les chiffres officiels pour la situation épidémiologique autour du coronavirus ce soir au Cameroun. Oui. Est-ce que ça n'inquiète pas? Bon, on va dire que je suis trop optimiste. Ça ne m'inquiète pas du tout. Voyez, on a créé des centres spécialisés. Oui. Et des annexes. Le stade Mapelepe, Orca ici, le stade militaire à Garoua. Inoccupé. Même le gouvernement a pensé qu'il y aura un afflux massif de malades. Ils ne sont pas là. Donc, par rapport même aux prévisions du gouvernement, par rapport à la propagation du virus, on est loin du compte. Sinon, ces centres seraient occupés. Ça montre qu'il y a quelque part une situation qu'on nous a prévue qui n'arrivera pas. Le complot. Nous allons donc prendre le dur de cette émission. Nous allons passer autour de la première dorsale, l'état de l'unité. Nous avons célébré le 20 mai dernier l'état unitaire, 48 ans d'état unitaire au Cameroun. Je rappelle que vous êtes un ancien combattant pour la liberté totale et la réunification. Et ancien, vous ajoutez le ancien, pourquoi ? On verra tout à l'heure si vous l'êtes encore ou s'il y a lieu de combattre. Encore, je croyais que le combat était terminé. Ah non, pas du tout. Alors, ça me suggère cette question. Est-ce que l'unité du Cameroun, d'après vous, est achevée? Mais d'abord, l'unité, c'est un processus, c'est pas un décret. C'est un processus. L'UPCO a prôné la réunification, puis l'indépendance. Ça veut dire que c'était les éléments de base de la lutte de l'UPC, des nationalistes et des patriotes. Cela veut dire que ce n'est pas une affaire du 25 mai 1972 qui est, à notre sens, nous les UPCistes, une catastrophe. Parce que le référendum de 1972 est une tentative d'assimilation forcée des Français avec le gouvernement camerounais, alors que le principe de la réunification, c'est la réunification des peuples. Ce n'est pas un paradigme qui nous amène à la situation actuelle. Si on était parti avec les objectifs, les fondamentaux, la stratégie de l'UPC pour bâtir la nation camerounaise, on n'aurait pas la crise anglophone. Et le 25 mai 72 est un des éléments significatifs de ce faux paradigme de l'unité nationale. C'est pour vous montrer qu'on est loin du compte. C'est d'abord un processus, ensuite elle a été mal engrangée en 1972 par le gouvernement Ahidjo, et depuis 1972, on a l'impression que c'est la date qui compte, c'est pas le processus d'unification du peuple camerounais autour de la nation camerounaise. Et après 72, est-ce qu'on n'a pas vu la possibilité de se rattraper? Par exemple, est-ce qu'il était important peut-être de passer de manière cavalière de la République unie à la République du Cameroun tout court? Au niveau de la tripartite, je ne vous apprends absolument rien sur la question. Au concret, je devrais me soumettre à vos enseignements. On sait bel et bien qu'il y a eu ce problème des forces centrifuges, celles-là qui décidaient, ont pensé que c'était le moment ou jamais de poser leurs problèmes et d'obtenir un certain nombre de reconnaissances. Est-ce qu'on n'a donc pas, à un moment donné, manqué des occasions qui étaient comme ça offertes à ceux qui ont
hérité du pouvoir de Ahidjo, parce que vous semblez cantonner la situation d'avant. D'avant le régime de Paul Biya. Avant le renouveau. Est-ce que vous avez peur d'éventrer aussi le renouveau sur la question? Mais non, on est parti déjà sur faux paradigme en 72. Et on a continué. Irréparable. Un faux paradigme irréparable. Et pour le réparer, il aurait fallu revenir aux fondamentaux de l'UPC. Alors vous imaginez les régimes d'Ahidjo et du RDPC sur les fondamentaux de l'UPC, ça nous tournerait beaucoup. Régime d'Ahidjo et Biya. Et oui. Ouais, d'accord. Oui, bon, parce que pour le manche... Non, parce que vous dites Ahidjo et puis RDPC. Mais c'est légèrement différent. Ah, d'accord. C'est légèrement différent. C'est pour différent. Ça que je souligne. Absolument. Ça, oui. Bon, alors je voulais dire que forcément, partir sur de fausses bases, et avec la nature du régime qui a succédé à celui d'Ahidjo. C'est un régime néocolonial. Et dictatorial, selon vos propos. Oui. Forcément, il y a des dictatures conviviales. Ouais, on est dans une dictature conviviale. Mais on est formellement, dans un multipartisme avec la démocratie. Mais ce n'est pas ça qui est important. Pourquoi? Parce que... c'est le peuple camerounais qui est responsable de la situation dans laquelle il se trouve, fondamentalement. C'est le peuple qui change leur destin. Ce n'est pas des dirigeants qui tombent du ciel. En faisant quoi exactement? Sur la question de l'unité, en faisant quoi exactement? Par exemple, la montée du tribalisme et la crise anglophone. Qu'est-ce que le peuple aurait dû faire pour éviter ça? Bon, alors je vais vous dire, on n'est pas obligé de suivre... des gens qui fantasment sur la division du pays. On n'est pas obligé d'emprunter des chemins qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple. Si toute la politique de ces deux régimes a été d'écarter de la construction de ce pays ceux qui en avaient posé les bases fondamentales justes, forcément, on voit le résultat. Toute la bataille, on l'a dit en 90, toute la bataille des régimes successifs a été d'écarter l'UPC, les UPC, les patriotes de la constitution de ce pays. Forcément, le résultat ne peut pas nous surprendre. Et vous dites bien, est-ce que, comment allait-on faire? Mais on est dans un processus, et je le disais tout à l'heure à Tanguay, la bataille existe, elle est là. Le nozo, la crise nous montre bien qu'on est loin du compte. Si on avait écouté la démarche stratégique de l'UPC, on n'aurait pas cette crise meurtrière, cette guerre au nozo. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les patriotes, les UPCistes, ont encore du pain sur la planche pour changer cette situation dans notre pays. Monsieur Kane, vous voulez dire qu'il n'y a que l'UPC aujourd'hui, quand on vous écoute, pour apporter l'unité dans ce pays? Ça, c'est la première question que je voulais vous poser. Vous ne venez pas répondre à cette question. Non, je vais répondre. Deuxièmement, est-ce qu'il faudrait donc, pour parvenir à l'unité nationale, revenir à la base de ce que l'UPC pensait pour l'avoir, si tant il est vrai qu'aujourd'hui, avec le nozo qui est en cours aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité nationale? Vous savez, je vais répondre à la première question. La veille de notre arrestation, le 19 février 90, le 18 février, j'étais avec l'ex-ministre... la justice, le maître Moutoumen. La veille. Il ne connaissait pas mes activités politiques. On discutait, et je lui ai dit, maître Moutoumen, rien de sérieux ne se fera dans ce pays sans l'UPC. Je le dis aujourd'hui, à l'UPC, pas l'organisation, parce qu'on pourra en parler tout à l'heure. Oui, l'esprit. L'UPCisme, rien de sérieux ne se fera dans ce pays sans une... entrer en force, une prépondérance de la stratégie, de la vision politique de l'UPC dans ce pays. Rien de sérieux. Je le dis aujourd'hui comme je l'ai dit il y a 20 ans. Parce que l'UPC, c'est l'âme de ce pays. Oh. L'âme immortelle. Oui, non, oui, mais immortelle. Je vais vous dire, il n'y a que l'UPC qui a pu, je veux dire, l'organisation, la philosophie, qui a pu rallier tous les Camerounais du nord au sud, sans distinction. Moumi est allé dans le nord, il a rallié des populations.
Wandi a été partout. Il a rallié des populations. Même pas l'UNC ou le RDPC. Vous pensez, quand on parle de l'UPC, vous parlez de l'UNC, du RDPC. On ne peut pas comparer des choses incomparables. Je parle de rassemblement du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et les saisons je parle précisément du rassemblement. Oui, alors, vous savez, le rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec les préfets et les gouverneurs, oui. L'UPC devait supprimer les gouverneurs et les préfets. Non, je dis, c'est pour lui donner l'image que j'ai du RDPC. C'est notre parti administratif. Donc, avec l'UNC, le RDPC, c'était un peu au forceps. Alors que avec c'était l'administration. L'UPC, c'est comme l'OUA. Oui. L'OUA était le syndicat des chefs d'État. Que le Krumah et l'UPC, les Moumiers, ne voulaient pas. L'unité des peuples est différente de l'unité des États. D'État. C'est ça qu'il faut marteler encore comme nous aujourd'hui, que il faut revenir à la stratégie, aux fondamentaux de l'UPC. Pas l'organisation dont on peut parler tout à l'heure, mais l'UPCisme qui a permis à ce que ce peuple conserve encore jusqu'à aujourd'hui une certaine homogénéité sur le plan politique. Cameroun avec CAR, par exemple. Le Grand Cameroun, ce n'est pas parce que c'est le Cameroun. C'est comme ça. Oui, oui, oui. C'est une signature politique, c'est toujours une signature politique. Mais ça rappelle le Cameroun avant la division, pas les Occidentaux. La preuve, tous les partis de la zone anglophone écrivaient également Cameroun avec CAR. Merci Anissé Kane, nous allons suspendre cette partie de l'émission, on la reprendra tout de suite dans 5 minutes après le passage ici de Delphine Fonkoutené qui se plie à l'exercice, qui va vous amener à vous plier à l'exercice de mes préférences. Delphine, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Bienvenue dans l'arène. Merci. Nous vous écoutons. Merci. Bonsoir, Anissé. Bonsoir. Vous êtes habillé en boubou ce soir. On va dire que c'est l'expression de votre vivre ensemble. Non, je suis assez souvent en boubou. Vous savez, je vois que ton gars a encore... Ouais. Il faut bien que je ferme le bouton à la fin de l'émission. Non, d'abord on est plus à l'aise, on est moins serré. De temps en temps, je mets des cravates aussi, des costumes. En plus, aujourd'hui, c'est l'Eid Moubarak, donc c'est approprié. Non. Quoi? Je suis dans un masque. Je suis masqué. Ouais. Je suis plus à l'aise, il y a de quoi. Lorsque je suis en tennis, que de mettre des mocassins, que de mettre une cravate, etc. Mais, d'autant plus que, mais je n'ai pas de compte à rendre pour le moment. C'est clair. À ceux qui pourraient m'obliger à mettre la cravate. Et puis, c'est pas nécessairement des tenues spécifiquement africaine, voyez, et l'assimilation occidentale, même qu'on est obligé de s'y accommoder de temps en temps, me donne des urticaires, voyez. Vous savez, tout à l'heure, quand je parlais de l'Occident et de l'Afrique, j'ai vu que je m'emballais. Ouais. Et d'aucuns pensent que cet habillement, jean, basket, c'est pour davantage aguicher vos petites que vous aimez. Je savais que vous allez y arriver. Mais vous savez, un homme ne doit jamais cesser de séduire. Ok. Voilà. Mais je ne fréquente pas les sorties des lycées et des collèges. Non, pas du tout, je pense pas. J'ai de grands enfants. Mon fils, il a 43 ans. Mon fils aîné qui est médecin. Ouais. Voilà. Vous êtes un ancien servant de Metz. Qu'est-ce qui vous a empêché de poursuivre cette mission? J'ai même failli devenir prêtre. Qu'est-ce qui a manqué? J'ai des contentieux avec cette religion, la religion catholique. C'est une religion qui rappelle la colonisation. C'est une religion qui
J'écoutais une chanson tout récemment de Congolais qui avait été interdite par le pape. Parce que elle disait que comment se fait-il que tous les saints sont blancs, Jésus en blanc, les disciples de Jésus sont en blanc, les statues sont en blanc. La religion catholique est venue balayer nos statuettes, nos effigies, etc. Vous voyez qu'avec tout ça, j'ai rapidement compris que, bon, c'était difficile pour moi de rester là-dedans. Et puis, je suis à l'aise avec nos traditions. Je suis très mal à l'aise quand je me rends compte que la plupart de ceux qui nous dirigent sont dans des religions chrétiennes. Et les résultats de leur gouvernance ne sont pas très élogieux. Et justement, en réalité, on avait posé la question, je reviens, à Mgr Toumi. Et Mgr Toumi, généralement, vous avez des dons de grosses voitures, etc. Mais vous ne posez pas la question de l'origine des dons de ces... Elle dit non, c'est Dieu qui donne. Bon. Et quand j'écoute des réponses comme ça, je suis très mal à l'aise. D'accord. Alors, Anissé, ceux qui vous côtoient, ceux qui vous sont proches, disent que vous faisiez ce service parce que vous le faisiez naïvement et que naturellement vous ne croyez pas en Dieu, parce que pour vous, dans les batailles politiques, Dieu ne compte pas. Je crois profondément en Wendy Ernest. Voilà. J'aimerais bien qu'on m'aimante là à côté de Wendy pour rentrer en contact spirituel avec Wendy. Je me sens pas proche de la religion chrétienne. Je pense qu'elle est un peu antinomique à nos traditions. Quand je pense à mon père, je suis plus à l'aise que quand je pense à Saint-Benoît. Si on veut rester dans la politique, quand je dis Jean-Pierre Ngekam, ça vous dit quoi? Oui, c'était mon nom de lutte en clandestinité. Mais il y avait le mandat du PC, l'Union nationale des étudiants socialistes du Cameroun, après l'UNEC. À l'UNESC, je m'appelais Jean-Marie Tchakounté, qu'on n'avait que des pseudonymes. À l'UPC, je m'appelais Pierre Ngekam, et au Malidem, Kaïchégué. Et en 90, quand on m'a arrêté, puisqu'on était en pseudonyme, il y a des camarades qui ont arrêté Kaï. Et on lui a donné un autre pareil qui s'appelle Kananissé. Parce qu'ils ne savaient pas la... C'est à ce qu'il y ait une certaine sécurité et tous les dirigeants. En 85-86, quand on a arrêté la bande, là, le professeur Luka, Mbanga Kidek, etc. Moi, je partais de Douala pour la BMA Yaoundé pour venir le voir. Mais bon, je mène une vie normale tout en étant dans le dispositif secret, clandestin. Vous avez consacré toute votre vie à la politique. C'est d'ailleurs l'une des raisons. Pas la politique au Cameroun. D'accord, on va parler politique. C'est de votre première épouse. Ma première épouse était instructrice à l'école centrale de l'UPC en clandestinité. Donc, elle n'était pas... Mais bon... pour des raisons humaines. Vous savez, les mamans ont tendance à protéger plus les enfants que l'époux. Il y a eu des situations assez délicates où elle a préféré mettre à l'abri ses enfants. Mais on est resté en très bon terme parce que ça se comprend. Même si je ne l'approuve pas, c'est une position compréhensible parce que, vous savez, en 90-91, il fallait pas bon d'être opposant au régime. Justement, en 90, vous avez fait la prison au nom des libertés publiques. Comment cela s'est passé? Bon, on a fait une petite prison. Ça veut dire six mois. Six mois, oui. Vous savez, par rapport à ce que nos camarades ont duré en 76, en 85, la bande et compagnie, l'Indema et consorts. Bon, je ne parle même pas des massacres des UPCistes. Demain, c'est le
25 mai. Ouais. Et c'était le début des massacres où quelques milliers de Camerounais sont morts sous prétexte qu'ils étaient des résistants. Ben nous, on était la dans... marche de... Oui, les marches, la marche du 25 mai. 25 mai. Mm-hmm. Nous, on était en prison 26, tous les jours. 26, oui. Tous les jours, RFI en parlait, etc. Donc, on était plus à l'abri. On a eu un procès, ce que les Wandiers n'ont pratiquement pas eu. Et la plupart des UPCistes ont été condamnés, emprisonnés, même pas condamnés, torturés, tués sans avoir eu de procès. Nous, on a eu beaucoup de chance en 90. Parce que j'étais dans une vague de démocratisation et de d'échelle de la situation dans le monde entier. Bon, moi, j'en ai gardé de très bons souvenirs. Et je peux vous dire, je suis très ami avec les gars prisonniers qui m'ont gardé à Batoury. Ils vous donnaient la possibilité d'envoyer des courriers discrets. Non, on avait des dispositifs qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Vous savez, on apprend des tas de choses quand... on est dans l'école de l'UPC en clandestinité. Je veux surprendre, peut-être que vous ne le pensez pas. Tout le dispositif d'un parti comme le nôtre ne peut pas être uniquement un dispositif officiel. Ouais. Si on a un camarade qui est dans des positions administratives embêtantes, vous imaginez qu'il ne va pas s'afficher militant du parti. Donc il y a beaucoup de choses qu'on apprend qui permettent qu'on puisse rester normal tout en étant anormal. Anissa Kané, vous êtes Douala. Qu'est-ce qui justifie votre préférence pour le tarot à la sauce jaune ou alors le coquille? Je suis pas Douala, je suis Sawa. Je suis de Beaumont-Nom. Ouais. Ben, Beaumont-Nom à moins de 10 km. Oui, mais c'est Sawa, c'est pas Douala, hein, c'est pas la même chose. D'accord. Non, c'est parce que si vous êtes bien renseigné, regardez un peu la direction du parti. Jean-Baptiste, Denis Kouébo, Dogmo, Ticho, Zouali. J'ai beaucoup d'affinités avec mes compatriotes de l'Ouest. Fils adoptif de Kui. L'Ouest. D'où vient de cette région. Donc, du Nord-Ouest. Ouais. Bah oui. Et en plus, aujourd'hui, tout le monde mange le tarot, comme tout le monde mange le ndolet, le coquille, etc. Vous ne prenez pas d'alcool, c'est votre casquette de maître d'arts martiaux, ceinture noire, qui vous y contraigne? Non, j'ai jamais bu d'alcool. Je ne supporte pas l'alcool, tant mieux. Ouais. Des heures en boîte de nuit sans alcool? Ah, vous y allez avec moi? Je vous ai rencontré plusieurs fois. Oui, oui, mais des heures et des heures, non. Mais en boîte de nuit, on peut boire du jus de fruits, on peut boire de limonade, etc. Et les gens sont souvent très surpris. Mais lorsque les gens posent la question à mes soeurs ou à ma mère, dit comme il est tombé dans l'endroit. Il est sourd depuis qu'il est tout petit. Elle n'a pas besoin de boire d'alcool. Et justement, pour rester à côté des boîtes de nuit, des cabarets, vous les fréquentez et quand vous y êtes, vous donnez de votre voix et de vos... voix grave, vous pouvez faire des choses vraiment merveilleuses. Peut-être que Merci. Ça fera plaisir à nos millions de téléspectateurs qui sont scotchés actuellement. Mmh. On va chanter quelque chose, du Makossa par exemple. Vous prenez seulement du Makossa, je peux chanter l'hymne national. C'est qui fera danser, qui fera plaisir. Non, en non, même temps. Mais si, bon, vous savez, bon, je ne fréquente pas les boîtes, contrairement à ce que bon, certaines personnes pensent. Quand je suis à Douala, je vais danser les dimanche à fin d'après-midi, au bal des vétérans. Voilà. Ouais. Mais en dehors de ça, bon, l'activité politique prend beaucoup, beaucoup de temps. La détente du dimanche permet bon, de s'en sortir avec le sport, avec la musique, etc. De temps en temps, je vais au cabaret et cela, il m'arrive souvent.
C'est-à-dire ? Vous avez, tout le temps, vous êtes en panne. Ça veut dire qu'elle n'est pas de très bonne qualité. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas les moyens d'avoir des grandes voitures, des voitures de bonne qualité, des grandes villas, etc. On nous a habitués à la clandestinité de se contenter de très peu. À mon âge, je suis retraité. Je vis de quelques économies, de quelques biens immobiliers de la famille, etc. Mais je ne suis pas un grand gourmet. Je ne bois pas d'alcool, vous voyez. Tout ça, c'est vrai, c'est vrai que vous êtes très modeste, très courageux également, déterminé. Mais sachez que vos camarades du parti vous reprochent le fait que vous soyez de plus en plus moins violent et moins incisif. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Je n'ai jamais été violent. D'avoir plus de retenue. D'accord. Plus de moins vindicatif que certaines. D'accord. Moins vindicatif, moins agressif, d'encaisser plus facilement et de se projeter dans l'avenir. Moi, je ne suis pas un révolté, je suis un révolutionnaire. Il y a une différence. D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie. La première partie, les questions d'unité nationale. Il y a cette question qui est restée en suspens. Comment on renoue avec le fil de l'histoire de sorte de l'apprendre juste au moment des décolonisations en Afrique, oui, pour pouvoir asseoir une unité sur le fond, pas une unité proclamée. Comme c'est un processus politique, il faut de la volonté politique. Et la volonté politique commence par avoir à la tête de notre État, ou de nos États africains, des régimes issus véritablement de la volonté populaire. Parce que les Camerounais veulent être unis. Il y a beaucoup d'écueils qui font en sorte qu'ils ne sont pas. Le processus qui conduit à la désignation des dirigeants, par exemple, le code électoral, le débat a repris ces jours-ci autour d'un code électoral consensuel qui permettrait peut-être de désigner ces dirigeants, les dirigeants que vous avez identifiés, oui, comme étant l'émanation du peuple. Oui. C'est bien que l'État prenne des mesures gouvernementales, mais l'association, le chef d'État a interpellé les forces sociales le 19 mai, mais l'association populaire à cette lutte de la pandémie est de nature à créer une dynamique unitaire. Quand on était dans le secondaire, il y avait des internats. Je vous assure que je suis sorti de l'hébergement de l'internat. C'est 30 ans après que j'ai su qui était de telle ou telle région. Le brassage des populations. Il faut des routes. Il faut des moyens de transport qui permettent qu'aller au nord ne soit pas une aventure. Aller même... je suis allé il y a peut-être 20 ans, chez ce Béziguia et Voudoula, c'était l'aventure. Le brassage des populations permet à ce que les Camerounais se côtoient, se et essayer de mieux se connaître. C'est cette dynamique de base. Les grands lycées, avec des internats pour que les jeunes Camerounais se connaissent mieux, il n'y a pas de différenciation, comme c'est le cas maintenant, association des étudiants de Bomono contre l'association des étudiants de Bafang, etc. Voilà ce genre de situation. Il faut que l'État ait la volonté politique d'en finir avec tous ces écueils qui cristallise nos différences, au lieu de créer une dynamique qui enrobe nos différences pour en faire quelque chose d'unitaire. Donc, ce n'est pas uniquement le choix des dirigeants. C'est bien. On ne lutte pas pour nécessairement avoir un poste de pouvoir. On lutte pour que le pays avance, que le pays se développe, qu'on soit dans un environnement... J'ai l'air de rêver, où tout le monde est heureux.
C'est bon de rêver. Oui, mais pas les yeux ouverts. Tout à fait. Mais vous avez défini la politique comme l'art de pédaler un vélo. Oui. Mais on ne rêve pas, c'est la réalité, vous l'avez oui. dit. Oui. Mais monsieur Kanessi, on vous demande aujourd'hui, est-ce que c'est difficile, les pédales sont solides et rouillées avec votre politique d'aujourd'hui? Est-ce que vous voyez déjà votre destination ou bien où en sommes-nous aujourd'hui, alors, vu que vous pédalez? Ce sont des questions énigmatiques, je ne comprends pas bien. Soyez plus explicite. Voilà, je peux m'aider, vous me demandez, mais vous me comprenez, faites semblant de me comprendre. Non, nous sommes dans l'arène et c'est l'invité. Non, il vaut mieux qu'on soit explicite. Peut-être qu'il demande des questions directes. Voilà, je vais être plus explicite alors. Voilà, c'est mieux. Vous avez défini la politique comme l'art de pédaler un vélo. Il faut pédaler, sinon on tombe. On tombe, voilà, c'est ça. Non, il faut à tout moment être en train de pédaler. Oui. Permanemment. Oui. Bon, je vous pose la question aujourd'hui. Oui. Depuis que vous pédalez, oui. où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que votre objectif... Et parce que si on pédale, on va quelque part. De là où vous êtes parti. Jusqu'à aujourd'hui, votre objectif, vous êtes atteint ou pas? Vous avez atteint l'objectif ou pas? Ou bien les pédales semblent rouillées et vous en perdez mieux de plus avant. Si notre objectif était atteint, on ne parlerait pas du pays aujourd'hui comme ça. Vous voyez, le RDPC ne serait pas au pouvoir. Vous semblez dire que Wandie Moumié, Oum sont morts pour rien, puisqu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Je n'ai pas dit ça. Oui, ben, c'est ça, puisque vous dites, vous demandez si, non, c'est, rouillé, si c'est rouillé. Vous demandez si mon objectif est dans... dans une dynamique de lutte. Ce n'est pas un objectif personnel que je dois atteindre. Ouais. Je suis dans la dynamique. Les individus, les militants révolutionnaires sont dans des dynamiques de lutte. Et ils luttent pour que ces dynamiques se développent au fur et à mesure, chacun y met du sien, jusqu'à des objectifs, parce qu'il n'y a pas d'objectif final, des objectifs, des étapes suivantes. Alors, par rapport à ça, nous avons participé en tant que militants des partis de militants de l'UPC à l'avènement de la démocratie dans ce pays. C'est une étape importante. C'est un bilan, vous voulez dire. Hein, pardon ? Un bilan. Oui, ouais. Mais c'est une étape importante. Ouais. Nous avons continué à animer le débat, à sortir les Camerounais de leur torpeur, à leur donner la possibilité par nos activités sociales, à revendiquer l'eau, l'électricité, etc. Nous sommes impliqués. Mais le militant révolutionnaire n'est pas un spécialiste ou professionnel de la contestation. Il est un animateur, un guide, un éclaireur. Et ce travail, on le fait tous les jours. Ça a toujours été ça. Mais ça n'a pas été ça au début des années 90, puisque vous venez d'indiquer que vous avez fait de la prison. Pour vos activités clandestines? Oui. Est-ce que vous étiez moins révolutionnaire à ce moment-là? Maintenant, non, pas du tout. Mm-hmm. Les contextes ont évolué. Vous savez, en 1980... Ah, c'est pour ça que j'ai dit maintenant, donc. Les contextes ont forcément évolué. Mm-hmm. Vous savez, aujourd'hui, vous restez dans un bar, vous dites que le RDPC, cette histoire-là, on ne va même pas vous regarder. En 90, on vous arrêtait, on vous retrouvait à la BMM. Donc, les contextes ont évolué. Le travail à payer, l'arriération politique, la formation politique a fait diminuer l'arriération politique. Le Camerounais de 90 à celui de 2020 est plus averti sur la situation de notre pays. Il est plus mûr. Mais vous savez, les événements politiques ont des droits de cycle. On peut toujours imaginer que c'est plus bon, alors qu'on est dans un... au bas de la... De, alors, concrètement... Est-ce que c'est votre cas, aujourd'hui? Non, je parle... Moi, je parle d'une dynamique, je parle pas de mon cas. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'on est au-dessus ou au creux de la vague, en fonction des époques. C'est ce que vous voulez dire. En fonction des événements, en fonction de pouvoir en face, de la capacité des Camerounais à être résilients par rapport à leurs difficultés. Tout ça crée des contextes complètement différents. En 1990... On faisait des meetings de plus de 100 000 personnes. Où le messager tirait à plus de 100 000 exemplaires. 100 000 personnes. Aujourd'hui, je n'ose pas... On ne le dit pas, parce que vous le savez même. Voilà. Donc, les contextes sont évolués. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu du temps. Bien au contraire. Puisque vous êtes journaliste, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez interroger n'importe quel Camerounais. Il peut vous décrire la situation de ce pays. Mais
les conditions objectives d'un changement sérieux dans ce pays existent. Ce qui manque, ce sont les conditions subjectives et qui sont minées par le tribalisme, le népotisme, par le clientélisme entretenu par le régime. Ça freine un peu l'élan de mobilisation des masses. Est-ce que vous voulez dire que aussitôt qu'un leader politique émerge, je prends votre exemple, aussitôt qu'il est présenté comme un crack, ou bien il est perçu comme un crack des médias, on a tout fait de le cloîtrer à sa communauté d'origine, par exemple. Est-ce que ceci est pensé dans des laboratoires, est-ce que c'est pensé dans des officines, c'est des cabinets noirs? C'est de la faute aussi de certains dirigeants qui ont tendance à penser qu'il faut commencer par la maison, il faut commencer par le village. Paradigme qui amène justement à ce dans laquelle on se trouve. Parce que si on part pour base, que je dois commencer par intéresser, mobiliser, fanatiser, on a tout faux et on a déjà bloqué toute évolution sérieuse de cette dynamique. Parce que je vais aussi dans mon village, de temps en temps, mes gens me demandent, mais commence par nous. J'ai dit, mais non, je ne vais pas commencer par vous. Ceux qui ont besoin de moi, c'est les Camerounais qui sont à Maroua, pas ceux de mon village. Mais ce n'est pas le cas pour tous les dirigeants. Il y a des tas de dirigeants de partis politiques, je ne vais pas les nommer, qui disent que c'est déjà ça de prix que mes frères du village. Qui estiment que à Ebolo va à 100 millimètres, on ne peut pas obtenir moins que 100% pour le RDPC. Mais c'est pas vrai. Il le dit, mais c'est faux. Je dis, au niveau du RDPC, on estime au moins que dans la région du Sud, il n'y a pas de place pour l'opposition. À l'UDC, on estime que les 5 sièges, bon, maintenant 4 sièges reviennent naturellement à l'UDC. À l'UMS, on pense que c'est Bafang. Ouais. À l'UPC, on pense que l'Union Ekele, la Sanaga Maritime, c'est des acquis. Est-ce que ce n'est pas organisé, que ce soit du côté du pouvoir? Vous avez fini la liste? Vous êtes arrêté en chemin. Je vous aidais simplement. Je vous aide pas. Puisque vous vous rendez finissez compte. Finissez votre liste. Puisque vous vous rendez compte que ma liste n'est pas exhaustive, vous pouvez m'aider à la compléter. Non, vous l'avez stoppée de façon délibérée. Oui, vous avez le droit de la compléter. Non, complétez-la. Comme ça, la compléter. Vous savez, de. Et les gens jouent avec les fantasmes. Je connais bien la région du Sud, parce que une de mes compagnes était du Sud de Mézé, c'est côté de San Milima. Je sais qu'on nettoie les résultats électoraux là-bas. D'abord, nettoyer. Hein? Ça veut dire on nettoie. Oui, on nettoie. Ouais. La région du Sud est une région à la base UPCiste. On ne fasse pas ça parce qu'il y a le RDPC. On le fasse de façon administrative. Et je vais vous dire, la dynamique de contestation dans ce pays qui va nous amener progressivement ou de façon dans les gens que vous imaginez. On a beau embrigader, on a beau faire du clientélisme, on a affaire à des êtres humains qui ont un cerveau, qui voient, qui regardent et qui réfléchissent. Vous avez évoqué les prouesses des années de l'UPC dans la clandestinité. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas également faire le reproche à Amadou Ahidjo de n'avoir pas exterminé, par exemple, les UPCistes qui étaient dans l'Oumaki parce qu'ils avaient prié?
les outils non conventionnels. Est-ce qu'on pouvait également, on pouvait faire ce reproche à Idiot de n'avoir pas traité ces UPCistes de terroristes et de les traiter comme tels, parce que vous, dans vos propos, si vous estimez de façon péremptoire qu'il n'y a que qu'il faut renforcer plutôt la solution guerrière sans un investissement préalable, par exemple, dans des solutions pacifiques. Je vais prendre le cas d'un dialogue franc, d'un investissement dans la demande d'un dialogue franc avec un médiateur, ce qui est d'ailleurs demandé par un bon nombre de factions sécessionnistes. Donc, tout simplement pour interpeller la responsabilité de l'élite, celle-là qui est doit avoir un discours un peu pondéré, mais qui malheureusement prône des solutions du général Maximus. Bon, je vais vous dire, première explication, c'est pas faux d'avoir essayé. Il y avait pour but d'exterminer de tous les UPCistes. Hein. Bah, le fait qu'on assassine Wang Dian le 15 janvier 1971, il n'y avait plus pratiquement rien dans le maquis. D'ailleurs, c'est le général Semengue. Oui. Un des bourreaux estime que jusqu'à maintenant, malgré la loi qui et les autres, les héros nationaux, Semeng estime que c'était un terroriste. Oui. Mais malheureusement, la loi a rendu héros le bourreau et les victimes. C'est ça le problème. Non. Aïdjo également. Oui. Aïdjo également le but du régime d'Aïdjo, c'était d'exterminer les UPCistes. Vous voyez la arme avec laquelle ce régime a traité quand même des UPCistes, même après l'assassinat de Wang Dian en 76. C'est des milliers de jeunes gens UPCistes qui ont été jetés en prison, des cadres de Béletombo, Bitiki qui était directeur adjoint du port, même un commissaire de police ici qui avait été arrêté parce qu'ils étaient UPCistes. Donc ce n'est pas fini. En 90, j'ai eu 4 ans de prison sous prétexte que arrogance vis-à-vis du tribunal. C'est parce que j'ai osé dire au président du tribunal militaire que vous avez dans ce même tribunal condamné Wang Dian à mort, vous l'avez exécuté, continuez. Donc ce n'est pas faux d'avoir essayé de déterminer les UPCistes. Première explication. Monsieur, il y a de bonnes guerres et de mauvaises guerres. Le droit à l'autodétermination des peuples ne donne pas le droit à des gens de suivre des objectifs néfastes à la nation. Parce que voyez-vous, les Oum voulaient réunir et rendre indépendant le Cameroun. Les Ambazoniens veulent défaire le travail des Oum, des Wandi et compagnie, et des milliers de camarades Camerounais qui sont morts pour ça. Vous voyez donc, ils sont dans des chemins antagoniques. Les autres se sont battus, ont laissé leur vie pour la réunification et l'indépendance. Ceux-là veulent redépecer, dépecer. Je suis convaincu que M. Ayouk Tabe vous dirait tout simplement qu'il est dans la même dynamique que l'UPCR. Je ne voulais pas tenir des propos désagréables sur M. Ayouk Tabe que je connais. Avant de s'exiler, il a vécu ici, il a travaillé à la Sonel. Vous savez certainement. Effectivement. Mais il dit défendre. Oser comparer les Ayouk Tabe ou Wandier Moumier. Et où c'est un scandale. Dans la perception de la crise anglophone. Non, non. Dans la perspective de la constitution de la nation camerounaise. Les autres veulent la détruire. Les Moumis sont morts pour la construire. Voilà deux chemins complètement différents. Donc forcément, vous imaginez que je dois être contre l'extermination des UPCistes et pour la mise hors d'état de nuire de tout ce qui veut diviser notre pays. Il n'y a aucune comparaison à faire. C'est clair, c'est net. Aucun pays au monde n'accepte la sécession. Aucun pays au monde. Tous ceux qui nous font des morales. Et si la sécession était une surenchère politique pour obtenir, par exemple, le fédéralisme? C'est-à-dire, il faut créer une guerre, faire 3 000 morts pour obtenir le fédéralisme, vous êtes
machiavélique. Sérieusement. On évolue avec les hypocrites. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait, vous parlez de Boko Haram. Que ça dérivait vers le banditisme. Mais on y est dans le nozo. C'est des bandes armées de bandits de grand chemin qui assassinent, qui tuent, qui font des otages, qui demandent de l'argent. C'est ça la révolution anglophone. Mais avec qui on a dialogué? Avec qui on a dialogué? Oui. L'approche qu'on peut émettre dans ce que vous dites, pas ça a du sens. C'est votre modus operandi sur le terrain. Oui. C'est-à-dire que vous préconisez qu'il faut les neutraliser. Forcément. Neutraliser les bandes armées. Mais l'armée camerounaise a le devoir de protéger les biens et les services. Non, ça veut dire... Donc il faut neutraliser toutes les bandes armées qui n'ont pas eu le droit de prendre des armes. Oui, nous sommes d'accord pour ça. Mais d'accord, ok. Alors vous dites, la solution à la crise anglophone. Oui, forcément. Fait le tour de mai 72, vous savez, quels sont ceux qui étaient à côté des Aïdio Consort? Les élites anglophones. Ce n'est pas des martiens. Oui, des élites. Des élites. C'est-à-dire, cette trahison vient de nos compatriotes, bien sûr, mais des compatriotes qui ont trahi une revendication légitime d'une union des peuples pour une union administrative où chacun avait son compte. Les Fonta, les Mouna et compagnie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rendre les Camerounais, tous les Camerounais, responsables du mal-vivre des anglophones. C'est un système qui a créé ça. Et pour changer cela, c'est la nature du régime, ce système dont il faut venir à bout. Ce n'est pas administrativement ou par la force qu'on va obtenir une nation camerounaise réunie. C'est par l'avènement d'un autre Cameroun, avec une autre stratégie, avec un autre pouvoir. Et ce n'est pas une lutte entre anglophones et francophones sur la base de distinguos coloniaux et néocoloniaux. Je ne comprends pas comment on peut donc aujourd'hui comparer la lutte juste, patriotique, révolutionnaire de Oumouandié et Moumié avec des appétits anglophones commandités par des intérêts impérialistes de l'étranger. Aujourd'hui, il y avait quand même une file de libération. Mais ça se passe. Les soutiens extérieurs américains commencent, je ne sais pas, après avoir obtenu quoi, à lâcher les messieurs et compagnie. Voilà. D'entrer dans la pirogue d'un piroguier, on chante du piroguier. Merci Anissé Canet. Nous allons sans doute prolonger cette thématique de la reine avec le pourcentage. Et Touquet est bien installé. J'indiquais qu'il est homologue, il est politologue. Enseignant au nom de l'Université de Yaoundé des deux, c'est lui pour le duel. Ce soir, vous avez dû vous rendre compte par vous-même. Le professeur Jean Baïbec, annoncé initialement, n'a pu cabiner en dernière minute. Il estime, pour des raisons, qu'il a cuisiné une personne qu'on va laisser. C'est fait vraiment par rapport à cela. Bon, je voulais quand même dire que. Il y a eu beaucoup de propositions duellistes, qui étaient que plein de professeurs, comme vous venez de dire, ils ont
se sont déguisés. Non, mais le premier à nous dire oui, c'était Jean Baïbec. Oui. Mais il a estimé que médecin, bon, alors, il ne peut pas affronter. Le professeur Baïbec de s'occuper de ma santé. Mais en d'autres termes, c'est pas très élégant parce que ça fait de la stigmatisation des ex-Covid. Hein. Non, voilà. Mais il estime en tant que médecin que la convalescence doit durer 3 mois à peu près. Oui, c'est un professeur en médecine, mais ce n'est pas le point de vue de tous ceux qui... Et qui seraient mal vus par sa confrérie, par les médecins, qui ne comprendraient pas qu'il aille sur un plateau avec quelqu'un qui devait être, en principe, en repos à la maison. Et donc, professeur Baïbec nous a révélé à nous... Le professeur Baïbec sait aussi qu'il y a des formes bénignes et des formes graves qui ne nécessitent pas la même convalescence. Il n'était pas votre médecin traitant. Il ne pouvait pas connaître tous les détails. Mais ce soir, Faustin Etouké est bien installé. Nous ne regrettons pas. Je crois que le public va comprendre pourquoi, dans quelques instants, le temps de cette petite respiration avant le duel. Faustin Etouké, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir bienvenue dans l'arène. Téléspectateurs de Canal de Merci, bonsoir au président Anissa Ikane. Vous avez le gouvernail pour une demi-heure. Merci Rodrigue. Alors sans plus tarder, je vais peut-être rebondir sur quelque chose que le président Ikane a dit d'entendre dans ses propos. 70% des Camerounais ont moins de 30 ans. Alors ça me rappelle un article qui a fait couler beaucoup d'encre. En fin 2014, de Jeune Afrique, Cameroun, le péril jeune. C'est un article qui disait que la plupart des Camerounais avaient 19 ans, la moyenne d'âge des Camerounais, pendant que la moyenne des dirigeants était dans les 73 ans, il y a 6 ans, c'est-à-dire même pas l'âge que vous avez aujourd'hui. Alors je voudrais vous demander, pensez-vous que le potentiel des jeunes Camerounais aujourd'hui, la plupart ils ont moins de 25 ans, pensez-vous qu'ils sont un péril jeune? Non, ce n'est pas un péril. C'est une réalité que la majorité de notre peuple est très jeune. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'en occuper en priorité. Je le demande parce que, en fait, qui va s'en occuper? Je veux dire, 6 ans plus tard, vous avez... j'ai calculé 51, ça fait 69 ans. Vous avez l'âge de ma mère, donc logiquement, vous êtes un peu comme un parent devant moi. C'est-à-dire, si mon père était encore vivant, il serait juste un peu plus âgé que vous. Oui. Est-ce à vous qui, en principe, devriez être, par exemple, à la maison en train de vous occuper de vos petits-enfants, est-ce à vous d'être dans l'espace public pour prétendre vous occuper de la jeunesse camerounaise? Alors, lorsqu'on est dirigeant politique, en réalité, ce n'est pas l'âge qui est primordial, c'est la vision politique. Et cette vision politique, forcément, intègre la priorisation des aspirations de la jeunesse. Vous voyez? Quand on dit que la majorité de notre population a 30 ans, ça veut dire que les préoccupations de l'État, d'une nation avec une jeunesse, doivent épouser de plus en plus largement la préoccupation de notre jeunesse, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la protection sociale, le sport, etc. Et c'est ça que cela veut dire. Cela ne veut pas dire que les jeunes, puisqu'ils sont la majorité, doivent élire des jeunes qui doivent diriger le pays. Parce que on a beau être jeune, on peut être sur le plan politique. Vous savez, ce n'est pas nécessairement les vieux dirigeants qui ont enclenché des guerres et des catastrophes dans l'histoire de l'humanité. C'est généralement plutôt des gens jeunes. Donc la qualité de la jeunesse ne donne pas une priorité à la gestion des événements. Mais le fait qu'une nation comme la nôtre est constituée d'une grande majorité de la jeunesse doivent coïncider avec les politiques publiques mises en œuvre par ce gouvernement. Ok, j'ai été présenté comme épistémologue, éventuellement comme politologue. Et épistémologie, c'est un peu la même. L'épistémologie, c'est un peu la mère des sciences. Je dis épistémologue ou épistémologiste?
épistémologue. Ah bon, d'accord. Ben, il veut savoir si c'est comme ophtalmologue et ophtalmologiste, si c'est du pareil au même. La politique, c'est un peu l'art de gérer les... Dans une famille, tout le monde ne pense pas souvent la même chose. Il faut à un moment, parfois, trouver un équilibre. Alors, au Cameroun, les personnes âgées à qui nous, comment dire, reconnaissons une certaine prééminence, par exemple, dans la préservation de nos coutumes ancestrales. Ça veut dire, je serais tenté de penser que dans mon village, ce sont les personnes les plus âgées qui sont à même de gérer la chefferie traditionnelle. Ils comprennent peut-être mieux là. Mais cette histoire moderne qui nous a été apportée par la colonisation, peu importe qu'elle soit étrangère, c'est-à-dire cette façon de vivre qu'on appelle peut-être État moderne, ce n'est qu'un nom. C'est-à-dire une communauté où, en principe, il y a des gens qui doivent faire des lois, qui sont séparés, des gens qui doivent mettre en exécution les lois, avec un troisième corps bien distinct qui doit sanctionner l'exécution de la loi, le pouvoir judiciaire, voir si c'est bien fait. N'avez-vous pas l'impression que, justement, les personnes du troisième âge ne comprennent pas cette façon de faire, notamment au Cameroun où tout revient sur la personne qui dirige. Vous comprenez, c'était l'UNC, le président Ahi Joho, il était maître de tout au Cameroun. Aujourd'hui, c'est le RDPC, le président Biya, il est maître de tout au Cameroun. C'est-à-dire, vous ne parlez pas de législature, il fait voter les lois qu'il veut. L'exécutif, c'est lui-même, le judiciaire, il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Je veux dire, il devient en fait un législateur, un exécuteur, un juge en même temps. Vous pensez que ce monsieur, ou bien quelqu'un qui est un peu plus jeune comme vous, vous pensez que vous pouvez comprendre l'État moderne? Parce que j'ai bien l'impression que la place des vieux devrait être dans la gestion des coutumes ancestrales, pas dans la vie publique moderne que nous essayons de vouloir mettre en place. Alors je suis quand même très surpris que vous qui connaissiez, vous êtes épistémologue, ça veut dire que c'est à la source de l'origine. Des choses, les événements historiques montrent généralement que la pratique politique est très liée à l'expérience politique. Je voulais dire par là que la politique est quelque chose d'assez complexe. Vous voyez, un grand homme politique. Parce qu'il faut de l'apprentissage. Il faut des événements qui maturent les hommes pour qu'ils atteignent une certaine apogée dans la pratique, la connaissance en politique. Je ne crois pas que le problème doit être abordé en termes d'opposition des générations. Parce que les jeunes en âge peuvent être complètement différents en fonction des contextes. Quand on était jeune, on était très respectueux, par exemple, des aînés, une certaine déférence par rapport à ceux qui avaient déjà vécu. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une jeunesse qui a été bâtie sur la dépravation des mœurs, le non-respect d'une certaine discipline. Et là, je vais peut-être vous lancer tout de suite. La dépravation des mœurs ne peut pas être imputable aux jeunes. Vraiment, non, je dis qui a grandi. C'est-à-dire que ces jeunes-là ont besoin d'un contexte social, des réflexes complètement différents de la jeunesse. Ce n'est pas le critère de jeunesse qui devrait leur donner la capacité de diriger, d'être de bon politique. C'est pour cela que je dis donc qu'un pouvoir, quel qu'il soit, composé de jeunes ou de vieux, a seulement l'obligation de politique publique qui cadre avec l'âge de sa population, avec leurs aspirations, mais pas suivre ce que ces jeunes font. Et ce pouvoir doit avoir la responsabilité de fabriquer. De construire une autre jeunesse que c'est par exemple qui est au pouvoir. Vous imaginez que si nous arrivons par exemple au pouvoir, on peut faire autrement que de faire du Cameroun le numéro 1 en consommation de bière. On peut faire autrement.
quels sont ceux qui boivent? C'est les jeunes. Et qui importe? Oui, hein? Et qui importe? Ou bien qui brasse? Qui brasse? C'est toujours les jeunes. Mais c'est lié à une politique publique. À favoriser cet état de fait je parce que la bière est l'opium. De l'eau dans votre moulin. Il y a, je ne vis pas tellement dans le passé, mais ce sont des points de repère pour comprendre l'existant. Il y a 5-6 ans, le gouvernement et un éminent analyste de la vie politique camerounaise, le professeur Eric Mathias Ouronan-Guinikon, ne présente plus. A justement une thèse schématique, ma foi, très perceptible de la vie camerounaise. Il a dit, aujourd'hui, ça se résume à ce qu'il appelle la mystocratie, le gouvernement sauvage du mystère, des ordres ésotériques. Ensuite, il a parlé de la pornocratie, la pourriture vivante des institutions camerounaises, la dépravation des mœurs. Il y a quelques années, quand même, qu'il a dit ça. Il y a 5 ans. Et ensuite, il a parlé de la kleptocratie, cette tendance à la prédation et au vol. Oui. Bon, peut-être... Il y a 6 ans, peut-être le Cameroun n'est plus sujet à la kleptocratie. Ça veut dire peut-être on vole moins l'argent public. Non. Peut-être que les lois camerounaises sont plus respectées aujourd'hui. Peut-être que l'état de droit, il est vraiment vivace. Peut-être qu'il y a une séparation des pouvoirs. Peut-être que les ordres ésotériques ne gangrènent plus notre société. Peut-être, je ne sais pas trop, mais je n'en ai pas vraiment l'impression. Oui. Alors, ce Cameroun-là, qui, ma foi, a été bâti, ça ne s'est pas bâti en quelques années. Vous savez, la vie politique au Cameroun est suffisamment lisible. Parce que s'il y avait eu 3 ou 4 administrations, vous comprenez, j'ai à peine 40 ans, je veux dire un peu plus de 40 ans. Si j'étais français, j'aurais vu passer 3 ou 4 présidents. Si j'étais américain, j'aurais vu passer 3, 4, 5 présidents. Et à ce moment, prétendre analyser la vie politique américaine ou française, j'aurais dû tenir compte de l'interaction de 5 administrations. Et ce n'est pas évident de faire des projections. Mais au Cameroun, écoutez, il y a un seul gars, vous comprenez? C'est une seule administration. Donc, c'est facile de lire le résultat de l'administration. C'est une seule administration. Donc, quelles que soient les circonstances, c'est une seule administration qui a produit ce qui existe. Oui. Ça veut dire, s'il y a aujourd'hui pornocratie, kleptocratie et puis mystocratie, vraiment, ce n'est pas des démons ou des anges que je vais imputer. C'est le gouvernement RDPC de monsieur. Tout à fait. Je vous dis, moi. Alors. Oui, allez-y. Une fois qu'on a posé cela, vous pensez que, en dehors d'un 109, c'est-à-dire des gens qui vont s'opposer en s'opposant, une rupture franche avec cette façon de faire. Vous pensez que des gens qui ont plus de 60 ans là, déjà que l'espérance de vie au Cameroun n'atteint pas 60 ans, dont des gens qui ont déjà, on va dire, disons un pied de l'autre côté, vous pensez que c'est ces gens qui peuvent apporter du 109 bon. Pour des jeunes Camerounais? Oui, la différence entre nous et la plupart des partis de moule aux journalistes, ça veut dire quelque chose, c'est que nous parlons de la nature du régime. Nous ne parlons pas du système, du régime, de sa forme de gouvernance. C'est vrai qu'il y a une mauvaise gouvernance, mais c'est subsidiaire à la nature du régime. La nature des régimes néocoloniaux fait que c'est comme ça qu'il peut fonctionner. Parce que ces régimes vivent du népotisme, de clientélisme, de corruption. La corruption est la matrice nourricière de ces régimes. Donc, ce n'est pas les individus tant que tels qui font, je vais dire, qui donnent la direction à ces régimes. Ils ont une nature qui les détermine dans une certaine gestion de la société. Donc, quand on dit qu'aujourd'hui, Biya dirige tout seul, mais si vous regardez la plupart des régimes néocoloniaux, c'est pas. Donc la solution à nos problèmes, ce n'est pas de se cramponner, de se cristalliser sur cette façon autocratique de gouverner, mais nous poser la question, mais pourquoi est-ce que ce n'est que comme ça que ce régime peut fonctionner? Et la seule réponse, c'est que c'est un régime néocolonial. Parce que, définition, c'est quoi? Néo, c'est une nouvelle colonie. Ces régimes sont liés fondamentalement aux intérêts de l'étranger. Les étrangers, les Occidentaux, ils n'ont pas besoin de régimes démocratiques, etc. Malgré, c'était peut-être vrai pendant la guerre froide.
c'est-à-dire il y a 30 ans. Parler de néocolonialisme aujourd'hui, à la vérité, c'est une fuite en avant. Ou alors, ce n'est pas suffisamment bien comprendre les rouages de ce qu'on peut peut-être appeler la géostratégie. Le gouvernement de M. Biya, oui, en tout cas depuis 1990, n'est pas un colonial. C'est nous qui sommes aux commandes. Les opposants fonctionnent exactement de la même façon. C'est-à-dire, pour tenter d'arriver au pouvoir, ils se basent également aussi sur les affinités avec les Occidentaux pour poser les problèmes au gouvernement actuel. Ça veut dire que eux-mêmes ils comprennent que la solution à nos problèmes. Vous avez posé une question probablement parce, oui, qu'ils veulent le pouvoir et non pas changer la situation sociétale du Cameroun. Même parce qu'il y a une nature. C'est ce que le général Semenge avait déjà dit. Oui. Au moment des indépendances, j'étais pas né. Mais disons, en 2012, il y a 8 ans, il a commis une interview, je crois, sur une chaîne de télévision que le journal L'Œil du Sahel a retranscrite. On était en 2012, où il a justement parlé de pourquoi il a décidé de se battre comme l'UPC. Contre l'UPC, oui, et contre les UPCistes. Il a dit, bon, vous savez, l'indépendance n'a pas été acquise dans les conditions que voulait l'UPC, mais elle a été acquise quand même. Ces gens auraient pu travailler avec l'administration à Idio. Oui. Il n'a pas utilisé le mot dialectique des intelligences, mais moi je dis une forme de dialectique des intelligences. Oui. C'est-à-dire s'il fallait construire le Cameroun. Vous comprenez? Oui. Mais ils ont préféré entrer dans une opposition radicale, violente. Et si je m'en tiens à ce que vous avez dit il y a peut-être moins d'une heure, là je permets d'être plus pondéré. Vous avez fait une distinction entre révolté et révolutionnaire. Vous vous positionnez plus. Comme révolutionnaire et non pas comme un révolté. L'UPC semble, dans les années 60, des révoltés. Je ne dis pas que le Cameroun serait un paradis aujourd'hui, mais les gens veulent des adversaires, pas des ennemis. Voilà. Je veux vous dire, l'UPC s'est posé en ennemi. Et ceux qui étaient en face, oui, avec le bâton qu'ils avaient, les armes qu'ils avaient, ils ont réagi en conséquence. Ils auraient pu travailler en intelligence, en dialectique. Oui. Je ne vais pas conceptualiser, mais c'est peut-être le même problème aujourd'hui dans la scène camerounaise avec les partis politiques. Bon. Où les gens savent que je gagne tout ou je perds tout. À ce moment, les gens sont dans une logique d'extermination. Bon. Ce sont des ennemis politiques que vous voyez qui se battent. Ce ne sont pas des adversaires politiques. J'ai l'impression que, bon, peut-être pas vous nommément, parce que, bon, vous avez fait, je ne vais pas dire un show, mais je vous ai écouté parler beaucoup de choses. J'ai noté beaucoup de points positifs, même si en politique, parfois, bon, ce que le gars dit, comme qu'on drague une femme, et puis ce qu'on fait après, qu'on a déjà ce qu'on voulait, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. C'est ce qu'on pense. Mais il n'a pas que j'ai pas l'impression que le discours politique d'opposition en général aujourd'hui au Cameroun, oui, en dehors de conquérir le pouvoir pour avoir le pouvoir et en jouir, oui, va au-delà de je veux le pouvoir et est-ce qu'on peut changer la société camerounaise. C'est pour ça qu'ils vont donc chercher des gens en Occident. D'accord. C'est pour ça qu'ils vont chercher des ressorts là-bas. Je suis obligé de vous répondre ici. L'UPC avait une caractéristique, celle du compromis. L'UPC a toujours prôné la main tendue. Mais en face, les Verts et les Français avaient décidé qu'il faut exterminer la tête de l'UPC. Ils sont allés assassiner Moumié à l'étranger. Wandie, ils l'ont fusillé alors qu'il n'y a plus de maquis. Moumié, parce que, me semble-t-il, allait acheter des armes à l'étranger. Je ne sais même pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Oui. Il est allé acheter des armes chez les Occidentaux pour combattre les Occidentaux. À un moment, je me demande si c'est moi qui ne raisonne pas normalement, ou alors si ce sont ces gardes de l'époque qui ne se rendaient pas tout à fait compte. Deuxième exemple, excusez-moi, oui, professeur. Ho Chi Minh aussi a vécu à l'étranger. Ils ont fait la guerre de libération. Ils ont vécu les Américains. En Algérie, il y a eu une guerre de libération nationale. Il n'y a qu'au Cameroun où ceux qui ont lutté pour l'indépendance n'ont pas accédé au pouvoir. Oui. Première chose. Deuxième chose, je vais vous dire. Daniel Aboadji, on a donné l'indépendance à ceux qui ne la voulaient pas et on l'a refusé à ceux qui la voulaient. Et oui, c'est donc incontestable. Oui. Seulement, et en cela, je préfère m'aligner sur la position du général Semenge, dont je ne partage pas des développements ultérieurs.
Ils se battaient pour le pouvoir et pas vraiment pour l'indépendance. Oui, bah, je vais vous dire aussi, deuxième chose, après 1960, oui. À plusieurs reprises, il y a eu des tentatives de rencontre avec les officiels camerounais et c'est toujours été un non catégorique. Alors, si c'était le cas que les Wandi étaient des radicaux, et les jeunes de 76 que Aïk Diou a arrêté, torturé, ils étaient aussi des Wandi terroristes. Et les Abanda, les Luka de 85-86, qui ont passé 9 mois dans les jeux de prison, c'était aussi des voies en guerre, ils travaillaient dans la société camerounaise. Et nous-mêmes en 90, lorsqu'au tribunal militaire, le président du tribunal militaire, le colonel Djakou, parlait des UP6 comme des éventreurs de femmes enceintes. On est en 1990. Et pour justifier la sentence qu'il va prononcer tout à l'heure, vous voyez bien que s'il y a de l'extrémisme, ce n'est pas du tout du côté de l'UPC. Je vais Il y a donc deux factions qui se regardaient en chien de faïence. Non, pas du tout. Pas du tout. La preuve aujourd'hui, en 1983, quand Biya arrive au pouvoir, Massaga, au nom de l'UPC, écrit à Paul Biya en lui disant que nous sommes ravis que vous veniez avec une autre vue de notre pays. Permettez qu'un autre parti politique se crée, vous créez le vôtre. Ça m'a proposé la création, la légalisation de l'UPC. L'UPC, dans ces années-là, a rencontré des collaborateurs de Paul Biya, le ministre Ngango, comme par exemple, pour trouver un modus vivendi dans la nouvelle donc camerounaise. Lorsque Aïk Diou a tapé du poing sur la table, le président Biya a dit que les UPC peuvent rentrer, mais à condition de ne plus faire de politique. C'est dans ce cadre qu'on est rentré. Et dès qu'il s'est rendu en 83 et 90, qui avait les UP6 qui continuaient à lutter, il a frappé fort. Donc le radicalisme dont vous parlez, il n'est pas du côté des UP6. Et je finis en vous disant, vous savez, nous on a deux objectifs. Un fondamental et un conjoncturel. Nous voulons que ce pays-ci avance, qu'il y ait des avancées, que le Camerounais vive mieux, même avec le régime de Biya. Anissef, si même avec le régime de Biya. Si nous avons tout en voulant qu'on change de régime, si nous mais nous travaillons aussi dans l'interpellation, dans les batailles, Anissef. Pour que la situation change, même avec ce régime. Ça ne c'est pas une position de radicaux. Si nous avons donc fait un bref détour, c'est peut-être pour arriver à ce qui est important pour nous aujourd'hui en 2020. C'est peut-être pour arriver à ce qui est plus important pour nous aujourd'hui dans le Cameroun de 2020, qui est livré à tous les extrémismes politiques que nous constatons tous, avec des formations politiques qui se regardent en chien de faïence et qui savent que c'est gagner tout ou perdre tout. Conflit, par exemple, dans le Nozo, c'est plus une logique d'extermination qui est mise en œuvre, qui est plus ou moins tempérée par le fait qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait avec l'UPC dans le maquis, la visibilité du monde extérieur et même interne est prononcée avec les réseaux sociaux. Donc, on ne peut plus trancher n'importe comment la gorge des gars. Le comportement de ceux qu'on appelle le ambazonien n'a rien à voir avec le comportement des ambazoniens, de l'armée de libération nationale du Cameroun. Je ne sais pas ce que l'UPC n'a jamais arrêté. Je ne sais pas ce que ambazonien veut dire. Je sais quand même que dans mon pays, aujourd'hui, en 2020, ces séparatistes-là ne sont pas tombés comme ça, ex nihilo. Oui. Ma foi,
suffisamment recevables qui ont d'abord été formulées. Et qui permettent à ce que... Et qui ont été certainement... je ne justifie pas, je dis simplement que qu'on quand éventre des gens, qu'on décapite, qu'on traîne une dame, qu'on l'écartèle... Je ne justifie pas ce que l'UPC, l'armée libération, l'UPC national, l'armée libération du Cameroun n'a jamais fait. Bien, je vais donc vous dire, il y a deux jours... qu'on appelait les maquisards, Anissa et Kanen? Mais c'était des opposants au régime. Et le maquis, bien, quoi? Bien, nous sommes en 2020. La Brousse, le maquis. Président Ikané. Président maquisa. Il n'y avait pas de terreur en Brousse. Il n'y avait pas. Je prends un exemple concret. Il y a deux jours. Il y a deux jours. Terroriser les populations comme c'est le cas dans le Brousse. Laissons le passé. Laissons le passé. Revenons au présent. Nous sommes en 2020. Nous sommes au Cameroun. Nous avons des problèmes. Au Nozo, nous avons des problèmes. Dans le Nord Cameroun, nous avons des problèmes, on va dire, peut-être de redistribution de la nourriture dans le Cameroun, même parce qu'il y a un grand clivage entre des gens qui ont un peu trop et des gens qui n'ont vraiment rien. Oui. Un mémorandum rédigé par les étudiants de la Damawa à l'université de Ngaoundéré. Alors, ils se plaignent de ce que, ben, contrairement aux autres universités d'État, les ressortissants de la Damawa, ils ont moins de 10% de presque tout, même les postes de gardiennage. Alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont écrit en haut, nous ne voulons pas voir reproduire chez nous les événements du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors, c'est dit comme ça, les gens peuvent dire, ah bon, ils sont toujours comme ça, ils croient que c'est mieux ailleurs. Si dans 4 ans, ça dégénère, j'ai bien peur qu'il y ait des gens âgés comme vous qui viendront raconter de la philosophie ici pour dire, on ne peut pas faire ceci avec l'État, on ne doit pas, on ne doit pas. Non, c'est pas un État, la politique, l'activité politique, c'est la gestion des clivages. Et les clivages, ça ne se règle pas avec la force. A contrôlé 7 régions du pays, 7. La connaissance. Et si les personnes très âgées sont allergiques au diabète, les personnes âgées devraient remercier le Seigneur, vous comprenez, Allah, Dieu, tout ce que vous voulez. De la longévité qu'il leur a donnée, vraiment, pas aller dans des hospices comme en Europe, dans des maisons de retraite, mais rester dans nos maisons, s'occuper des petits-enfants et tout. La vie publique, vraiment, ce sont des gens de ma génération. Quel âge d'après vous? Comment? Les personnes âgées. Ben, je vais dire 60 ans. Même si l'espérance de vie camerounaise n'atteint pas 60 ans. Je vais dire quand même 60 ans à la vérité. Donc il faut virer les deux tiers du gouvernement Biya actuel. Bon, si vous êtes modeste, oui. Bon, écoutez, si on dit que les gens de 60 ans sont déjà out là, vous comprenez, quelqu'un qui a un peu plus logiquement... bon, déjà, vous comprenez qu'il n'est même pas très présent. Bon, sauf si... à un moment, il faut... actuellement. Non, vous ne pouvez pas avoir les facultés que vous aviez il y a 25 ans. Aujourd'hui, par exemple, je suis un peu outré pour ne pas dire surpris. Quand je vois des gens qui ont plus de 60 ans, qui, quand ils avaient mon âge, jouaient aux citoyens très respectueux des lois, des règlements, ils se contentaient de manger tranquillement leur argent. Et c'est quand ils sont déjà vieux qu'ils veulent changer le pays, qu'ils veulent devenir président et, je ne sais pas moi, faire une révolution. Vous pensez à qui? Non, personne. Je dis simplement... Vous ne pouvez pas penser à nous. Hein. Non, je dis simplement... C'est pas notre cas, parce que moi, je suis rentré à l'UPC à 23 ans. Vous étiez pour pouvoir. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où on va faire croire à quelqu'un qui a plus de 40 ans comme moi que non, mais attends, t'es encore jeune, tu cours où? Même à l'université, je veux vous dire. Pour donner en cours, la croix et la bannière. Vous comprenez? Parce que vous avez des gens qui peuvent à peine tenir debout, mais c'est eux qui doivent cumuler 4, 5, 6 enseignements. Nous sommes dans un pays... Mais ça peut expliquer aussi qu'à 60 ans, quand on a donc l'occasion de s'épanouir, qu'on pense qu'on doit rester longtemps. Ben, parce qu'on est arrivé un peu tard. S'ils vont donc s'épanouir à 60 ans, et nous, il faut donc qu'on brise ce cercle vicieux-là. C'est ce que nous sommes en train de dire. Sinon... Moi-même, quand je me attendais, le petit jeune qui vient à 20, 25 ans, là, est-ce qu'il sait comment nous on a trimé pour arriver ici? Mais écoutez, les gars, ralentissez un peu. Mais le leadership se mérite. Hein.
et s'arrache. Ben, c'est ça que nous sommes en train d'arracher poliment. Allez-y. Parce que la vérité, on ne vous brutalise pas, mais la vérité est que vous devez brutaliser, vous opposer. Brutaliser les... Non. Allez, merci, on a les valeurs compris. Africaines vous sont plus été... ou moins bâties sur, on va dire, la progressivité. Il faut dire des choses et puis essayer de les faire progressivement. Mais on ne va pas enterrer. Vous avez dit plus de 70%. Non, le Cameroun, c'est 80-85% des gens qui ont moins de 28 ans. Or, ces gens aussi doivent vivre. Ils doivent se marier, ils doivent faire leurs enfants, ils doivent s'épanouir. D'où une politique dirigée vers les aspirations de la jeunesse. Mais des vieux et ne peuvent pas le faire. Pourquoi et pas la jeunesse. Mais oui, par la jeunesse. Avec la jeunesse. Par la jeunesse. Merci, Faustin et Touquet. Merci pour ce c'est moi qui vous remercie, beau duel avec Anissa et Canet. On a bien compris que le conflit de génération était au centre de cette discussion. Chacun se fera une opinion à la maison. Les nombreux téléspectateurs qui nous regardent, nous allons donc embrasser la deuxième dorsale de cette émission, le positionnement de l'opposition. En ce moment, vous êtes un des vétérans. Je ne veux pas emprunter le mot à Faustin et Touquet. Vous êtes un des vétérans de la politique et même de l'opposition au Cameroun. Nous avons passé 1h30 à le démontrer ou à l'illustrer. Comment vous voyez l'organisation de l'opposition aujourd'hui? En 92, vous étiez une des têtes de pont de la coordination des partis de l'opposition et puis l'Union pour le changement, qu'on peut décliner comme étant l'UPC. Vous avez été pour la coalition de l'opposition plus tard, autour des années 2000. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'opposition est sur un bon pied? Pas une nouvelle coalition. Pas du tout, justement parce qu'il n'y a pas une dynamique politique de base. Aujourd'hui, l'opposition se construit avec des leaders gourous. Alors qu'en 91, on a construit une dynamique de base qui a fait émerger des dirigeants. Quand on nous arrête en 90, Fondi, c'est un illustre inconnu, hein. Le 26 mai, c'est après le février 90. Un lycée connu, inconnu, pas du tout, puisqu'il est déjà un peu... Il est membre du RDPC local, à la maison, mais battu par Chidi Achou, quelques mois. Mais un lycée inconnu dans la dynamique de protestation contre le régime en place. Qu'est-ce qui amène Fondi à la tête de l'Union? C'est une dynamique de base. Il n'y a pas eu de congrès pour que Fondi représente l'avenir de l'opposition sur le plan politique. Mais des témoins de l'histoire racontent que c'est parce que les autres barons craignaient pour leurs intérêts personnels. Ils ont laissé avancer Fondi. Pas du tout. La preuve. Vu qu'il se cassera le nez. La preuve. En 92, un certain nombre de dirigeants de partis politiques de l'opposition se sont présentés pour faire battre Fondi. Ndam Djoya, Bello Bouba et Kindi Jean-Jacques et d'autres. Alors que cette dynamique politique de base, si elle était restée intacte, peut-être que le pays ne serait pas là où il se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas cette dynamique. Quelqu'un m'a posé la question, c'est qui le leader de l'opposition? Je dis, dans cette question, il y a deux choses. Il y a leader et il y a opposition. Un leader, c'est la base qui la double. Et l'opposition aujourd'hui, c'est un mot très vague. Parce qu'il n'y a pas une dynamique de l'opposition. Il y a des membres, des partis, qui ne sont pas au pouvoir, donc qui sont considérés comme des opposants au régime, mais qui ont des options politiques complètement différentes, certaines même très proches de celles du RDPC, sur le plan philosophique et sur le plan idéologique. Ils sont dans l'opposition parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. En 92, c'est l'idée du changement de régime qui a lié les oppositions. Aujourd'hui, ce n'est pas l'idée du changement de régime, c'est l'idée du leadership. Pas, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est parce que l'idée du changement n'est justement pas commune qu'on arrive à avoir une opposition compacte? Est-ce que l'idée du changement a disparu? Est-ce que vous avez l'impression que dans les rangs de l'opposition, il y en a en majorité qui souhaitent encore le changement?
Vous avez cette impression, vous? Vous savez, la véritable opposition, c'est l'immense majorité des Camerounais qui veut le changement. Non, voici. Attendez, question. En 92, je viens au leader. Oui. Je vous dis, l'opposition politique aujourd'hui, elle a comme soubassement les Camerounais qui veulent le changement. C'est ma conviction, c'est pas celle de l'ADPC. Le peuple camerounais veut un changement sérieux à la tête de la nation. Si vous interrogez 100 Camerounais, je pense que 98 vous le diront. Mais de ces 98, il y a très peu qui vous diront l'opposition est capable, par exemple sur le plan électoral, de battre les RDPC. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il n'y a pas une dynamique consensuelle. Il y a des trajectoires personnelles des dirigeants ou partis de l'opposition. Et je reviens donc à ma question. Oui. Est-ce que l'idée du changement n'est pas suffisamment partagée au sein de l'opposition? Je ne parle pas du peuple. Oui. Est-ce que ce n'est pas ce qui cause la dissension? Je voudrais le dire. Le professeur Itouké disait tout à l'heure quelque chose, que en réalité, aujourd'hui, le fait que tout le monde est dans l'après-BIA éveille ou développe des ambitions un peu malsaines. C'est-à-dire que bon, il vaut mieux y aller tout seul, parce que pratiquement on est dans l'après-BIA. On ne veut plus construire une dynamique consensuelle. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Est-ce qu'à un moment donné, cette manque de confiance ou alors ces égoïsmes-là ne sont pas peut-être justifiés par la large trajectoire ou la longue trajectoire du nomadisme, que ce soit le nomadisme ouvert, c'est-à-dire des gens qui craquent comme le président Jean-Jacques Kindi qui fait, ou alors ceux qui disent nuitamment, et vous savez qu'en parlant de ces deals, vous avez été au centre en fait de ces transactions nocturnes avec le régime. L'un de vos présidents, Yepga, il a fait un coming out. Il disait clairement. J'ai donné de Yepga. Oui, il disait clairement que vous dealez avec le régime, que vous montiez à Yaoundé à chaque instant. On vous voit rouler dans les voitures des pontes et vous faites les sous. Est-ce que, en fait, ce n'est pas cet état d'esprit-là, que ça soit vrai ou faux, qui fragilise en fait la dynamique que vous exigez aujourd'hui pour qu'il y ait une révolution? Ben vous savez, on peut faire on peut faire des constitutions politiques avec des fantasmes. Mais il n'y a pas de fumée sans feu aussi. Oui, mais ça aussi, c'est un adage qui est très dangereux. C'est l'adage des réseaux sociaux. Dès qu'on dit étudier les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Tout à l'heure, M. Nassim m'a posé la question, mais. Oh non, oui, c'est plutôt. Pourquoi est-ce que vous devriez être toujours en panne? C'est pas en contradiction avec Delphine Foncou. Hein? Delphine Foncou. Hein? Oui. C'est Delphine Foncou. Mais c'est quand même en contradiction avec quelqu'un qui roule carrosse, qui a toujours sa voiture en panne. Non. Vous savez, dans la vie, ce qui importe pour un militant politique d'une autre vision, d'une autre famille, ce n'est pas ce qui va en tirer, ce qui va être. C'est ce que le pays va être. Donc, à la limite, tous les fantasmes qu'on peut développer autour des dirigeants du Malidem ou des militants du Malidem. Henriette Ekoué, vous soupçonnez également? Je vais vous poser une question sérieuse. Entre nous, vous pensez que le régime RDPC ne connaît pas bien ses opposants? Sincèrement. Vous pensez que à la tête du RDPC, C'est les idiots qui s'y trouvent, qui ne connaissent pas fondamentalement quelles sont les aspirations de chaque dirigeant ou parti politique. Premièrement, attendez. Deuxièmement, on peut soupçonner des tas de choses pour les gens. Le G20. On peut soupçonner. Voyez, tout le monde était persuadé que le Mandem va soutenir la candidature de Paul Biya. Pourquoi même ça arrive? Ça ne devrait jamais arriver. Tout le monde imaginait. Parce qu'on vit justement sur des fantasmes. Qu'est-ce qui a amené les gens sur cette piste? C'est ça la réalité. Qu'est-ce qui a amené les gens à imaginer que le Manidem, parti UPCiste, soit à soutenir Paul Biya à l'occasion d'une présidentielle? Vous ne vous êtes pas posé des questions en interne sur ce qui a mené l'opinion vers ce
vers ce raisonnement-là? Mais si, on sait que c'est des fabrications des oppositions politiques au Manidem. C'est clair. Quand on voit ce qui comporte ce genre de nouvelles, c'est les dirigeants d'autres partis politiques. Peut-être parce que Paula Tanganyi, militant du RDPC, a reconnu, en tant que responsable de l'administration territoriale, a reconnu votre Manidem. Vous êtes journaliste. A reconnu votre Manidem. Si vous êtes journaliste, vous m'inquiétez. Ouais. Parce que vous deviez savoir que ce n'est pas le cas. Ouais. Nous avons fait un congrès qui a changé la direction du parti. Attendez. Non, mais laissez-moi terminer la question. Oui. Est-ce que Paula Tanganyi n'a pas entériné votre Manidem au détriment de Dieudonné Yebga? Parce que Dieudonné Yebga a été exclu du parti lors d'un congrès. Vous savez mais pas. Ce sont les faits. J'ai dit, est-ce que le ministre de l'administration territoriale... Mais le ministre de l'administration territoriale le fait pour tous les partis. Dès qu'un parti change la direction... Parce que vous avez laissé faire... Vous avez voulu laisser croire à l'opinion que je me trompais sur les faits. Oui, mais justement, vous trompez. Parce que vous dites que Atangandi a reconnu un dirigeant du Manidem. Non. Lorsque un parti fait un congrès, change sa direction, il fait une lettre à l'administration territoriale qui prend note. Lorsqu'il y a des problèmes à l'intérieur d'un parti et que ça peut engendrer des désordres au niveau des autorités préfectorales ou gouvernementales, c'est du ressort de l'administration territoriale de donner au gouverneur sa vision de la chose contestable sur le plan judiciaire et qui a été contestée, je vous le dis, par Yebga qui a tenté de faire annuler le congrès. La justice l'a débouté. Dans la même foulée, Paula Tanganyi reconnaissait l'UPC de Bapolipor. Oui. Comparaison n'est pas raison. Je vais suivre. Oui, vous oui. Allez demander mais si je suis oui. Je vous donne les faits. Oui. Fait partie de Madame Kawala. Oui. Et reconnaissait l'autre tendance au détriment de Madame Kawala. Et donc, l'opinion a pu, au regard de cela, c'est pas l'opinion. C'était pas l'opinion. C'est de leader des autres partis adversaires du Manidem. Parce que la situation de M. Bapo est complètement différente. L'UPC a fait un congrès unitaire auquel a participé un représentant du gouvernement et a élu un secrétaire général. Et sans congrès, l'ATE a dit qu'il reconnaissait Bapolipo. L'ATE est la tutelle des partis politiques. Et c'est lui, elle, qui donne au gouverneur, au préfet des directives contestable sur le plan judiciaire. Donc, en réalité, autant sur l'affaire de Bapo, l'administration territoriale a pris, je vais dire, fait et cause pour un dirigeant non élu, autant en ce qui concerne le Manidem, il n'a fait que prendre note de la situation qui avait cours au Manidem après un congrès qui a mis de côté les dirigeants qui ne satisfaisaient plus aux aspirations de notre parti. C'est tout. Mais, comme il est de bon ton dans ce pays-ci, que, comme il a dit tout à l'heure, il n'y a pas de fumée sans feu, dites-en le maximum, il restera toujours quelque chose. Mais pourquoi on stigmatise forcément le grand combattant que vous êtes? On a l'impression que vous avez mené les batailles. Il a fait la comparaison, je suis avec lui, je le comprends. Ouais. Et à la fin, maintenant, vous dites, mais pourquoi je me suis battu tant? Permettez que je termine la question, cher combattant. Et maintenant, vous trouvez que le temps passe, peut-être qu'il faudrait cueillir quelques prébendes, vous passez à la caisse. On peut comprendre, on est humain, peut-être. Parce que c'est étonnant quand même que cela revienne. Non, le commandant, monsieur Kalen n'est plus le même aujourd'hui. Vous savez, il est mouillé, ça revient, on recommence. Je vais vous donner mon salaire que j'ai appris au... Dans les réseaux sociaux, 26 millions par mois du cabinet civil. Oui, c'est de là qu'on parle. On entend toujours que c'est au cabinet civil. Mais si vous êtes vraiment un monsieur intelligent, vous devez savoir que c'est vraiment des grossiers fantasmes. 26 millions tous les mois du cabinet civil. Tout à l'heure, on parlait de la situation. Mais sauf que ça arrange un certain nombre de gens. Parce que ça permet à ce que tout ce qui les concerne sur leur compromission réelle
ouverte que tout le monde a vue dans le régime du RDPC. Non, le Mali. Ah bon, le Mali n'a jamais été présent dans le gouvernement du RDPC. Oui, mais vous jeûnez qui, par exemple, à Douala? Ce n'est pas un problème d'individu. C'est un problème de brouillage de visions politiques. Nous, on dit que l'opposition est truffée de gens du même moule que le RDPC, qui sont là, en réalité, pour tenter de remplacer une équipe, mais pas pour changer la nature du régime. Ça gêne. Parce que, bon, c'est plus simple d'aller acheter un adoubement à Paris ou à Londres ou à Washington et de se présenter comme une meilleure offre politique pour les Occidentaux. Ça, c'est facile. Voilà le problème de fond. Il y a un aspect dans la chose, président Ekane. C'est que vous ne voyez pas la place du virtuel dans la politique aujourd'hui au Cameroun. Vous semblez minorer cela. C'est-à-dire ? Une situation de 90 n'a rien à voir avec ce 2020. Oui. On a l'impression aujourd'hui que la bataille politique, les conquêtes politiques se battent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça veut dire que si vous ratez la bataille sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que sur le terrain, vous êtes forcément battu en Belgique. Ne serait-ce que dans les centres urbains, il faut le dire. Vous parlez d'impression. Ce n'est pas la réalité de fait. Je n'ai pas mené une intervention scientifique. Si on s'en tenait aux réseaux sociaux, ce ne serait pas Paul Biya qui serait président en public aujourd'hui. Hein. Enfin, ce serait qui? Ce serait ceux qui sont présidents de Facebook. Je n'entre pas dans cette tâche. Je dis que si on s'en tenait aux réseaux sociaux, le président camerounais de Facebook et des réseaux sociaux serait déjà étourdi. Donc c'est pour dire que la bataille que vous avez menée en 90 n'a rien à voir avec la bataille de 2020 aujourd'hui. Quelle est la différence? Faut combiner les réseaux sociaux avec. Quelle est la différence? C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'il faut combiner ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se passe sur le terrain. C'est ça que j'ai dit. Les réseaux sociaux sont un moyen de communication. Justement. Mais et là, il faut y être présent. Mais pour entériner les inepties qui s'y font, que vous prenez... Mais la communication, il y a même sur les inepties. Voilà. Qui vous-même, vous en êtes une victime aujourd'hui. Non, on ne refuse pas, mais la vérité... Vous êtes une victime des réseaux sociaux. Oui, je le sais. Alors monsieur... On ne fait pas la politique avec des ressentiments. Attendez, avec des fantasmes sur la maladie, sur la mort, sur les prétendues, comment je vais dire, passation de pouvoir gré à gré. Là, c'est les dérives, non. Les réseaux sociaux. Non. Ces dérives ne tombent pas du ciel. Elles appartiennent à une nouvelle classe politique, justement, qui bâtit toute une stratégie sur du virtuel. Oui. Du virtuel. Aujourd'hui, le président du Cameroun, c'est M. Paul Biya. Celui qui dit le contraire est dans le virtuel. Oui, nous sommes d'accord. Bon. Merci, Anissé Kané. Je vous propose de vous réécouter par la magie et le talent d'Alain Gizankanga qui est installé pour la synthèse de cette édition de l'Arène. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir nous à tous. Tout bonsoir Anissé Kané. Bonsoir. Permettez-moi de commencer aujourd'hui par les préférences. Alors, on retient que vous êtes un homme. Pour vous, un homme ne doit jamais cesser de séduire, mais vous ne fréquentez pas les lycées, ces collèges. Vous avez failli devenir prêtre, vous êtes plutôt à l'aise avec les traditions, vous croyez en un Ernst Gwandi et vous aimeriez être enterré près de lui. Vous avez des grands-enfants, le premier en a. Et votre divorce avec votre première épouse, vous gardez de très bonnes relations. Vous êtes Sawa et vous aimez le koki, le tarot et le nkui. Vous n'avez jamais pris de l'alcool. Vous êtes maître d'arts martiaux et vous ne fréquentez pas les boîtes de nuit. Vous n'êtes pas un révolté, mais un révolutionnaire. La pharmacopée africaine, entre autres, vous a permis d'aborder avec sérénité la maladie du coronavirus. Pour vous, le Cameroun aurait dû se préparer à combattre la COVID-19. Les dysfonctionnements enregistrés en l'entame ont été améliorés. L'hécatombe annoncée en Afrique n'arrivera pas. Les Africains ont un système immunitaire solide et vous pensez que la solution viendra de l'Afrique. Sur l'unité nationale, vous pensez que c'est un processus et non un décret.
Et si on s'en tenait aux réseaux sociaux, le président des réseaux sociaux serait déjà à étudier. J'ai envie de poser une question à Inse Kane. C'est qui le président des réseaux sociaux? Vous le connaissez. Non, je ne le connais pas. Vous le connaissez très, très bien. La pauvre souris. Ce serait qui, donc? Bon, c'est certainement pas moi. C'est clair, sinon vous le dénigreriez pas. Vous êtes président. Merci à Inse Kane, merci à Alain Gizankanga pour cette synthèse. Merci à tous les confrères présents sur ce plateau pour mener cette interview. Merci à Faustin et Touquet qui a joué le jeu du duel ce soir. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Vous le savez, la reine n'est pas diffusée les derniers dimanches du mois. Retrouvons-nous donc dans 2 semaines avec un autre client tout aussi sympathique qu'Anissé Kane certainement. Mais ce sera toujours le Hot et le Hard Interview à la télévision. Bonsoir.